vous dites le nucléaire, ça marche. Bon, bah non, ça marche pas. Dans la loi, le projet de loi que nous avons voté, je vous rappelle quand même que vous nous faites rouvrir une centrale à charbon, vous-même qui nous aviez dit que si on sortait du nucléaire, ça serait le retour des centrales à charbon. Donc non, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas davantage, puisque avec le changement climatique qui provoque un réchauffement des rivières, on a de plus en plus de problèmes à refroidir les centrales nucléaires. Et vous avez d'ailleurs déjà voté des dérogations, 4 dérogations, sur ce sujet. Enfin, vous ne savez toujours pas comment gérer les déchets, qui sont un coût considérable. Vous ne faites pas entrer dans le coût du nucléaire le prix du démantèlement des centrales, pas plus que vous ne faites entrer dans le coût du nucléaire le prix du grand carénage, et j'y reviendrai dans un tout petit instant. Par ailleurs, pour des gens qui nous parlent sans arrêt de l'indépendance de la France, je rappelle que nous importons la matière première depuis notamment le Kazakhstan, qui n'est pas une démocratie exemplaire, disons, pour être sympathique. Enfin, pour le grand carénage, je rappelle que le coût est de 100 milliards d'euros et qu'avec cet argent-là, nous pourrions faire 33 à 76 parcs éoliens en mer qui, en puissance installée, seraient supérieurs à la production installée du nucléaire français. Donc franchement, au bout d'un moment, non, le nucléaire ne marche pas.